Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer comment je fais cette déco. Voilà, donc déco un peu effet smoke, mais léger. Hein. J'aurais dû peut-être légèrement flouter, mais je vous montrerai. Avec les poudres néon. Donc ce sont ces poudres-là. J'espère que je suis bien cadrée, que vous voyez bien. Voilà, et donc j'ai réalisé ça sur cette main d'entraînement. Donc c'est une main d'entraînement en silicone que j'avais eue sur AliExpress. Alors le seul bémol, parce que franchement ça fait vraiment naturel, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a toutes les petites ridules de la main, des doigts. Franchement elle fait très, très réaliste je trouve. Le seul bémol, en fait, je ne sais pas si vous avez des astuces pour ça, mais c'est que les capsules en fait elles se font régulièrement la malle, vous voyez, tac. Dès qu'on bouge un peu. Alors quand il s'agit de faire la déco, ça va encore, c'est pas trop gênant, mais quand il s'agit de faire la construction, le rallongement en gel, c'est une galère pas possible. Alors en plus, le chablon ne colle pas dessus, donc la petite astuce, ça par contre, je l'ai, c'est de mettre un petit morceau de scotch autour du doigt pour que ça colle. Donc ça, j'ai capté. Voilà. Alors, eh ben écoutez, si ça vous intéresse, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Alors pour ceci nous avons besoin d'un gel paint blanc, donc moi j'ai pris celui de Beauty Luxe, un petit flacon dans lequel vous mettez un peu de cleaner, ça ce sera pour flouter le blanc. Ici j'ai pris un pinceau, donc un peu pinceau à dégradé, vous savez qu'il y a moins de poils sur le bout. J'ai fait déjà donc les deux premières couches de couleurs et j'ai mis une finition matte pour que ça accroche bien. Et là voilà, on fait nos petits tracés un peu comme on veut. Le mieux c'est de le flouter davantage que ce que moi j'ai fait. Je m'attendais pas, en fait c'est la première fois que je me servais de ce gel paint, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi opaque. Donc c'est très très bien, hein. Je m'en plains vraiment pas. Je m'y attendais pas, j'aurais peut-être dû faire ça avec un autre un peu moins opaque pour pouvoir mieux le flouter, enfin le flouter plus rapidement. Histoire que ça fasse vraiment un peu comme de la fumée, un peu plus opaque à des endroits, un peu vraiment encore transparence de noir de l'autre côté. Pareil sur le pouce. Et entre temps, je retrempe donc mon pinceau dans le cleaner et je repasse dessus pour le flouter un peu plus. Et on catalyse. Pour la suite, on va avoir besoin d'un petit embout mousse et des poudres. Donc la bleue, je n'ai peut-être pas cadré, la violette et la rose. Ensuite, je passe avec ma poudre. Alors il faut savoir que le gel paint blanc dont je me suis servi de chez Beauty Luxe est sans résidus. Donc il faut aller assez vite histoire de le faire pendant que c'est un petit peu chaud. Vous avez la possibilité avec n'importe quel autre gel paint ou un qui a résidu de saupoudrer avec votre poudre par-dessus. Mais du coup, comme je voulais faire mon petit dégradé comme ça et pas en mettre partout, je me suis dit qu'avec le petit embout mousse, ça le ferait, puis ça le fait. Hein. Voilà, on en met un petit peu partout quand même sur les côtés, mais vous verrez par la suite, on retirera ça. Donc, après, vous faites votre petit dégradé un peu comme ça vous chante. Je prends un autre pinceau avec un bout un peu plus pointu et avec le cleaner du coup je fais tout le tour de mon petit dessin pour retirer voilà les poudres qui ont pu être accrochées sur le côté. On fait ça sur tous les doigts. Un petit morceau de tête. Quand c'est pas les ongles, c'est la main qui essaye de se faire la malle. Voilà, et je fais donc sur tous les doigts, comme ça, voilà, on fonce un peu les ongles. Enfin, attention que la main, du coup, elle a plus son support, alors je suis obligée de la tenir tout du long maintenant. Donc, comme on est à la fin, le top coat, là j'ai pris un brillant
sans résidus aussi de chez Angle 24, dont je me sers uniquement sur ce qui est paillettes et poudre, pour pas en mettre sur ce que je me sers habituellement. Et hop, la catalyse, et voilà ce que ça donne. Voilà pour cette vidéo. Et bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Hein, vous avez remarqué qu'il y a eu un petit accident de parcours avec ma petite main d'entraînement qui a essayé de se faire la malle, mais bon, rien de grave, elle n'a pas eu le temps d'arriver par terre. Voilà, alors n'hésitez pas, hein, vraiment, si vous avez des astuces pour les capsules sur ce genre de main, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et si ça vous a plu également, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis, on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt!